hello and welcome to french circles try this exercise to practice the speaking part of the tef exam this is section b and here are the candidate and the examiner tef production orale section b oral expression alors on va commencer la deuxième partie de l'épreuve de production orale section b d'accord Vous avez lu cette publicité pour un séjour à la plage. Vous en parlez à une amie qui pourrait être intéressée. Présentez-lui ce document. Essayez de la convaincre d'aller à ce séjour. Vous avez une minute pour la préparation. Je vais jouer le rôle de votre amie. D'accord. Salut Marie, comment vas-tu Salut Ça va Et toi Quoi de neuf J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, j'ai trouvé une annonce qui va certainement t'intéresser. Il s'agit d'un séjour à la plage. Je pensais justement à quelque chose de ce type. Explique-moi plus en détail. Génial! Il s'agit d'un ensemble vol hôtel à Punta Cana dans la République dominicaine. Et quels sont les services inclus dans cette formule C'est une formule toute inclus qui comprend des repas gastronomiques, des boissons illimitées, l'accès au spa, et des activités nautiques et terrestres. Ils ont aussi une plage privée qui est réservé exclusivement aux clients. Ça semble intéressant, mais les hôtels dans ces types de formules ne sont pas si bons, tu sais. Mais non, ici, l'hôtel est un luxueux complexe 5 étoiles avec des chambres spacieuses, et des vues à couper le souffle sur l'océan. La formule inclut le spa qui propose une gamme complète de soins spéciaux, y compris des massages relaxants et des soins de beauté. Je ne sais pas. Écoute, il y a une variété d'activités de sport nautique, telles que le kayak, la planche à voile et le ski nautique. Tout est inclus. On peut faire aussi de la plongée, avec tuba près des magnifiques récifs coralliens, qui se trouvent à proximité de la plage. Oui, mais je n'aime pas vraiment les activités dans l'eau. Dans ce cas, on peut seulement profiter de la tranquillité de la plage et avoir des activités relaxantes comme la lecture, la méditation, ou simplement nous détendre en écoutant le bruit des vagues. Oui, c'est vrai. Aussi, comme tu aimes la photographie, tu peux profiter du lever ou du coucher du soleil pour prendre des photos uniques et inoubliables. En outre, on peut faire des randonnées à pied, et explorer le sable et les rochers, pour capturer des détails fascinants des coquillages, ou d'autres éléments intéressants à photographier de près. Quelle est la date pour le séjour et combien ça coûte C'est la première semaine de juillet. Et ça coûte 1500 dollars canadiens. Pour une semaine pour chacune. Oh Non Je ne peux pas cette semaine. Ne t'inquiète pas. Ce forfait est disponible pour tout le mois de juillet et peut être reprogrammé sans pénalité. Il y a même des semaines plus économiques, nous verrons quel horaire nous convient le mieux. Qu'en penses-tu Veux-tu y aller Ce serait intéressant, mais je ne suis pas si sûr de pouvoir le payer. Bien sûr, je comprends ta situation, mais il est important de noter que tu n'as pas pris de vacances depuis trois ans. Ton emploi du temps chargé néglige ta santé mentale et émotionnelle. Passer du temps en plein air et en contact avec la nature peut apporter un énorme soulagement et contribuer à ton bien-être global. En prenant cette pause bien méritée, tu pourrais revenir avec une énergie renouvelée et des idées fraîches pour le travail. Oui, tu as raison nous pourrons nous détendre et nous amuser ensemble. D'accord Allons-y. D'accord. Je le réserve tout de suite. Merci, à la prochaine. Thank you subscribe for more videos.